Alors bonjour tout le monde, donc dans cette dernière vidéo je vous propose une entrée pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est une entrée très festive à base de magret et de pommes qui devrait plaire à bon nombre d'entre vous. Donc pour cette recette il vous faut des pommes qui sont caramélisées dans une poêle avec un petit peu de beurre, donc des pommes plutôt style golden. Il vous faut une pâte feuilletée et il vous faut également du magret séché, voilà du magret séché fumé. Qu'on trouve facilement. Donc, on va utiliser le moule bûchette pour cette entrée. Donc, c'est un moule en forme de petite bûche que vous pouvez utiliser aussi pour des desserts, pour faire des petits cakes, pardon, des petits flans. Voilà, donc, et également des cocos au chocolat dedans. Donc, c'est aussi une astuce qu'on peut voir plus tard. Donc, il y en a 12. Donc, quand vous êtes nombreux, c'est pas négligeable aussi d'avoir 12 portions. Voilà, donc là aujourd'hui, je ne vais pas en faire 12 parce qu'on aura du mal à tout manger. Donc je vais vous montrer simplement comment je fais mes petites têtes. Alors, donc je fais précuire mes pommes, elles sont prêtes. Je vais du coup tapisser, chemiser, on va dire, mes moules avec le magret. Donc je mets mes petits magrets comme ceci. Voilà. Donc on les met au fond du moule. Donc ça fait en fait une belle entrée, hein. Donc ça peut faire aussi un plat, hein. Donc ça peut être un plat d'accompagnement aussi, hein. Donc voilà, à vous de voir en fonction de ce que vous faites à côté, mais voilà, donc là vous voyez, je chemise mon moule. Je vais mettre mes pommes qui sont cuites dans un petit peu de beurre et qui sont bien confites, donc bien du coup ramollies. Voilà, donc je mets mes pommes. Donc on va compter à peu près une demi-pomme par empreinte. Voilà. Et par-dessus, pour finir du coup ma tatin, je vais mettre un petit peu de pâte feuilletée que j'ai découpée. Alors j'ai découpé des rectangles, donc qui sont à peu près 13 sur 5. C'est le rectangle qui est de coupe préconisée pour faire ma tatin. Donc je vais mettre ce petit rectangle sur mes tatins. Voilà, donc je peux les enfoncer un petit peu. L'idée c'est que ça prenne bien tout l'espace du moule. Voilà. Allez, j'en refais un autre, je vous montre. Donc je mets mes magrets. Donc ça, c'est vraiment une entrée aussi qui peut être très sympa. Voilà, servie avec un peu de salade verte, hein, donc un peu de mâche, pourquoi pas, avec quelques noix également. Et moi, j'ajouterai une petite option de mettre quelques petits morceaux de foie gras pour faire une assiette, vous voyez, un petit peu Périgord, très gourmande. Donc ça devrait être pas mal du tout aussi. Donc je mets mes pommes confites. Et je sais qu'il y en a même qui mettent le foie gras à l'intérieur avec les pommes. Voilà, j'ai entendu dire qu'il y en a qui mettaient des morceaux de foie gras et qui allaient fondre du coup à la cuisson. Voilà, donc ma pâte. Alors on fait, généralement quand on fait des tatins, on fait des petits trous. Voilà, pour que la vapeur s'échappe, vous voyez. Donc vous faites des petits trous avec un couteau. Vous colmatez tout ça. Voilà, et puis on va enfourner dans un four chaud à 180 degrés pendant 20-25 minutes pour que ça cuise bien. Et puis après, je vous montrerai le démoulage. Voilà, je reviens de suite pour le démoulage. Alors voilà, c'est cuit. Je vais vous montrer du coup le démoulage. Donc pour démouler mes petits tatins de magret aux pommes, je vais prendre un racloir. Il vous faut une grande surface et vous allez tout simplement le retourner comme ceci. Voyez? Donc c'est tout simple, c'est très joli. Et je vais le déposer sur une salade accompagnée de noix. Voilà, vous pouvez faire une petite vinaigrette à base d'huile de noix. Vous pouvez mettre des petits morceaux de foie gras autour. Et ça vous fait réellement une très très belle entrée. Voilà ce que je vous propose pour les fêtes de fin d'année au niveau entrée. J'espère que ça va vous plaire. Et la recette, vous l'aurez forcément, hein, du coup, pour la refaire.